voorzet. Let op Nilis. En let ook op Oliveira. En het is Nilis de slotte die de stand op 1-0 brengt. Het doelpunt is er dan eindelijk. Koeman pour Oliveira, à la limite du hors-jeu. Et un but pour Oliveira. Grasson Oliveira. Oliveira qui déborde. Petit crochet, un tir du gauche. Le ballon vient frapper le montant et puis rentre dans le but. Bij de gelijkmaker met dit schot van Bertrand Grasson op de paal, maar het bleef 1-0. Kijk hoeveel kansen dat we gecreëerd hebben. Open kansen dan nog. Ja, dus, en dan geen enkele benut. En dan de strafschop missen en dan op de tegenaanval een doelpunt incasseren. Ik zal niet zeggen, daar zakt je broek vanaf, maar het scheelt toch niet veel. De seule chose qui peut nous arriver, c'est que nous perdions notre calme et que finalement la zizanie s'installe. De Grèze, au-dessus. Décidément, il y a entre Anderlecht et les tirs de pénalty un malaise pour l'instant. Keshi, un long ballon de Stephen Keshi. Il est bon d'ailleurs, il arrive à Oliveira. Oliveira sur la droite avec deux Gantois devant lui. Une première feinte, une seconde. Oliveira encore, il parvient à centrer. Un bon centre d'Oliveira, une reprise de Alain Van Baken qui trouve l'ouverture. Un but partout. Et... Als je op Anderlecht 3 op 8 hebt, dan weet je dat je niet veel puntenverlies meer kan permitteren. C'est très bien, mais ça n'avance guère. Moussonda centre à nouveau pour Nélis qui a dévié. Oliveira, c'est peut-être un peu fort. Le Brésilien garde le ballon en jeu. En lutte avec Doudan, centre, tire la tête. Et il y est. Enfin, pourrais-je dire, une tête du grand Gert Verheyen. Entrée de touche de De Wolf sur De Grèze. Luis Oliveira emporte le ballon. Tire, bon envoi. Détente de Drouguet, reprise de Nélis, c'est le but. But Anderlechtois. On en fait déjà plus que mercredi en Coupe d'Europe. Et Moussonda, il va seul. Il est dans le rectangle et il marque. Non, sorti de Drouguet. Et toujours Moussonda. Et 0-2. Tente un slalom. Passe du Colombier. Isole De Grèze qui n'est pas hors jeu. Est-ce qu'il tire? Marque, oui. Marque De Grèze. Oliveira qui se régale cet après-midi. Et De Grèze, bel envoi. Il a tenté le 1-2 et puis finalement garde le ballon. Nélis à nouveau. Nélis pour De Grèze, superbement bien fait. Et le cinquième but, une petite merveille. De Grèze voit Oliveira qui va marquer le sixième. Et voilà qui est fait. Avec toujours Ekelbaum devant lui. Le crochet de Nélis, le centre et le but. Koeman. Voor Nielis, goede pas. Nielis door. Eerste kans. Opwippertje binnen. 0-1. Oliveira. Met Van Gronsveld die nog eens breed uithaalt. Oliveira. Mooi van Oliveira. Schitterend. Oliveira. Le rebond. Oliveira toujours. Superbe travail technique d'Oliveira. En verve. Le centre de Van Bakel peut-être pour Vrainoul. Nielis, c'est le but. Et un silence inimaginable dans le stade. De Grèze. Ah, Nilis, pas de hors-jeu. Il était bien derrière la défense. Nilis, le deuxième but d'Anderlecht. Le petit lob, tel qu'il les apprécie. C'est simple. Vrijen. Nilis, schitterend. Nilis. Oliveira, dat gaat allemaal snel, hakje van De Grèze, Oliveira, daar gaat Oliveira, kijk. En dan wordt hij gepakt. Dan wordt hij gepakt en er wordt geen strafschop gefloten. En de bal wordt er wel ingetrapt door Mark De Grèze. Van Loen gaat het doen. Ja, ja. Van Loen, eindelijk. De Grèze, ah, c'est subtil, de la part de De Grèze. Bien joué avec Nilis, De Grèze à nouveau. Très bonne circulation du ballon du côté anderlechtois. De Grèze, un bon ballon pour Nilis de la tête et voilà le deuxième but. De Grèze, Oliveira, bon contrôle et bien joué d'Oliveira encore. La balle revient finalement à Koeman. Ken, récupération de De Wolf qui se bat bien là sur la gauche, qui parvient centré. Pour qui? Pour De Grèze. De Grèze qui glisse bien Nilis. Nilis fait sauter le ballon et voilà le numéro 4. Anderlecht, la meilleure attaque du pays. Bruges, la meilleure défense et une fabuleuse série de 32 matchs de compétition sans défaite. Ce ne sont là que deux arguments du champ. De Wolf bloque le ballon, Nilis tire, ballon dévié dans le but. Bon, but de Luc Nilis. Le peuple anderlechtois réclame Nilis au côté du coup franc.
Et à nouveau Nilis qui repart seul, s'engage dans la défense. Est-ce qu'il va marquer le deuxième but? Accroché, pénalty. 2-0 pour Anderlecht. Van Loon, le contre lui est favorable, glisse le ballon à De Graes. De Graes pour Van Distel, Plovy est devant lui également. Il les passe tous les deux. Tir sauvé par Van Linden, reprise de Van Loon et goal de Johnny Van Loon. Quelques secondes après le but de Jan Keulemans. Entrée touche d'Anderlecht, elle est faite par Crasson en direction de Van Loon. Ceinturé par Crève et Distel. Il ne voulait sans doute pas faire ça. Van Loon a donné le ballon à Oliveira. Oliveira dans le rectangle, doit passer Stalens. Centre pour Nilis. Luc Nilis volé, but! Exceptionnel! Quel geste technique superbe qui réunit sans doute deux des meilleurs acteurs de la confrontation de ce soir. Voici sans doute le dernier dégagement de Philippe Codewild. Les deux équipes ont signé l'armistice en ces dernières secondes d'un match qui fut d'une rare densité d'un bout à l'autre. Un dernier tir de Nilis! Et encore un but en Anderlechtois sur ce tir étonnant de Luc Nilis. Et 5-1 pour Anderlecht. La défense de Bruges. Abominabel bij, maar Anderlecht was niet één moment de ploeg van vorige zaterdag die Club Brugge wegwalste. Toch kwam Anderlecht in de tweede helft op voorsprong na een nummertje van Oliveira. Is een Cyprische verdediger zo goed om Paars-Wit wat te helpen? Goed gevoerd door Nilis. Bal qui monte, la tête et le but! Tout Anderlecht à l'attaque en centre Nilis au premier poteau. Ballon circule, un tir et un but! Et inscrit par Rutjes. Oliveira toujours, il se bat pour arracher le ballon. Oliveira glisse à Musonda. Musonda pour De Graes. Centre de Graes vers Nilis. Et Baudin. Nilis est intervenu, mais l'arbitre accorde le but finalement. Un but de Nilis de la tête. De Graes parvient à céder à Nilis qui lui remet le ballon dans les pieds. On se promène comme dans un boulevard dans cette défense du Standard. Et Nilis inscrit le quatrième but. Quatrième but sur cette passe de De Graes. De Wolf Van Bakel. Van Bakel, il va tout seul. Van Bakel toujours. Et inscrit le but. Oui. But inscrit par Van Bakel, le cinquième de la série. Ce n'est pas fini, mauvaise remise liégeoise, une de plus en cette fin de match à sens unique. Van Bakel pour un solo, 1, 2, 3 hommes éliminés, c'est le numéro 5, 5-1, plantureux succès pour le Sporting. Big bisou sur le banc des mauves, De Mos versus une accolade embrassade. À Saint-Guidon, cela s'est moins bien passé malheureusement. D'autres endroits aux alentours du parc, par contre, c'était l'Aliès des grands soirs. Après la victoire contre Standard 5-1, je pense que tous les supporters sont contents, ils sont d'accord avec moi, c'est ça? Kooijman. Die verliest de bal, of toch ongeveer, zelfs helemaal nu. Nilis toch? Oliveira, Nilis. Nilis, Luc Nilis gaat die zijn 12e doelpunt maken van het seizoen, jawel. Luc Nilis. Ivan de Slover raakt hem nog maar eens kwijt en nu lukt het wel, onhoudbaar binnengeknald zijn 13e competitiedoelpunt en 3-0 voor de thuisploeg. Luc Nilis, dankjewel en merci, zegt Oliveira die tweetalig wil worden en Huismans kansloos 4-0. Le service pour Oliveira, ce ne sera pas facile pour le Brésilien. Et il est passé malgré tout, a passé Goebbels, Oliveira, centre et le premier piqué, le ballon dévié dans le but par Marc De Graes, si je ne me trompe. Les Anderlechtois reviennent aux abords du rectangle de Molenbeek. Sortie de Gaspard, curieuse. Nilis qui va pouvoir tirer et place le ballon dans le but. But de Luc Nilis sur un mauvais dégagement de Gaspard. Voilà Rutjes qui se précipite. Oliveira passe à côté du ballon. Rutjes qui va marquer. Non, le gardien de Beer. Trois Anderlechtois. Kooijman le tire dans le but. Oui, la reprise réussie. Le goal Anderlechtois. Magnifique, Van der Linden était là à la récupération pour son retour à la compétition européenne. Le contre et surgit Van der Linden et le ballon s'est pas ouvert. Ouverture de De Wolf pour Nilis, amorti de la poitrine, passe de l'extérieur du pied droit pour Oliveira. Un angle incroyable, extérieur du pied gauche, 0-1, 12e but du Brésilien. Il ne manque plus à Oliveira que la musique
pour agrémenter la joie. 3, 2, 1. Explosion de joie, Anderlecht en quart de finale, liesse dans le clan belge. Mais quel suspense! Pratique apocalyptique, mais contraste, ambiance très très chaude sur les gradins. 35e minute, Luc Nilis s'échappe sur la gauche. Centre pour De Grijs, remise à Van Bakel, 0-1. Le Sporting s'envole, on croit que les espoirs s'avancent. Position derrière latéral. Bon ballon pour Van Bakel, centre tir, reprise de Van Loon. Van Bakel, position d'ailier gauche, tout seul. Centre, amorti De Grijs, tir d'Oliveira. Monte, qui monte, qui monte lui aussi. Et puis donne à Oliveira. Poursuivi par Coman. Accélération superbe du Brésilien. Le ballon passe dans le dos de Koeman. Van Loon, Lemty, et il marque. Ah, quelle belle journée pour ce garçon. Die zet voor en Oliveira trapt binnen 3-0. Het 14e competitiedoelpunt van de Braziliaan. Le ballon revient vers Lemty. Oliveira qui a laissé pour Nilis. Bon mouvement Nilis et but. Le deuxième essai de Luc Nilis est le bon. Beaucoup de réussite, il faut le souligner. Et finalement, Anderlecht s'impose 2-1. À moins qu'Oliveira n'ajoute un but encore. Il laisse le ballon Lemty. Et en effet. Moussonda, Lemty met een mooie actie, Oliveira in dribbel, kan schieten en schiet 1-1 op het bord. Anderlecht heeft Agen bijgebeten. Was hij daar vervolgens? 5e minuut, Anderlecht retrouve son rythme. Van der Linden balance un long ballon vers De Grijs. Verstappen est surpris par leur bond. L'occasion d'apprécier la classe infinie. Et la veine extrême des employés de Constant Van de Stok va encore frapper. Mouvement lumineux entre De Grijs, Lemty et De Grijs à nouveau. Rien à redire, c'est limpide et subtil, mais ça paye vraiment très bien. Goeie bal van de corner van Mark De Grijs. Voorzet De Grijs. Verheijen kopt, Oliveira helemaal alleen. Oh, wat een prachtig loopballetje, wat een mooi doelpunt weer. De Grijs toujours. De Grijs, c'est bien joué vers Oliveira, sorti de Drouguet, un contre favorable et le but. Une remise en jeu pour Kéchi, l'Anderlechtois, longue remise en jeu vers le point de pénalty, le ballon repoussé par les défenseurs brugeois, arrive dans les pieds de Crasson, Crasson qui s'infiltre, un tir dans une position difficile, un nouveau tir de Koeman et c'est but. Et oui, au lieu de l'égalisation brugeoise, la balle de match des pieds de Gert Verheyen, le numéro 10 anderlechtois, seul comme un grand, s'enfonce dans l'arrière-garde des Bloenzoart. Personne ne parvient vraiment à l'arrêter. 0-2 pour les Bruxellois, une réalisation qui fait drôlement plaisir à son jeune auteur. Anderlecht, les supporters ont déjà plusieurs fois sifflé à moi. Et maintenant, quand j'ai marqué 7 buts et joué un bon match, ça me fait beaucoup plaisir. Na de 0-3 heeft Anderlecht nog 20 minuten om 7 keer te scoren. Dat gebeurt niet, maar ze maken nog wel 2 erg mooie, eerrijdende doelpunten. Het eerste is van Wim Koeman. En 10 minuten later maakt de 16-jarige Lemty zijn eerste Europese goal. 2-3 is de eindstand. AS Roma was gewoon te sterk voor Anderlecht. Ik denk dat we Anderlecht alleen maar kunnen taxeren op Belgisch niveau. Op Belgisch niveau zitten wij met deze ploeg bij de top. Bij de top 5 die voor mij vaststaat. En internationaal zijn we nog ver van de top. Et dès la 19e minute, coup franc, Luc Nilis va placer le ballon sur la tête de Bertrand Crasson. Brésilien. 2-0 à la demi-heure de jeu. Point d'orgue du match en deuxième période, un quatrième but, n'ayons pas peur des mots, divin comme du Mozart, De Grijs, Oliveira, du très grand art développé sur un demi-terrain. Victorialement, le Sporting va assommer la défense liégeoise par ce but superbe de Stéphane Kéchi. Kéchi y voit ici encore un signe du ciel. J'ai pris ma chance et puis. C'était dedans,
Si sa passe vers Oliveira est lumineuse, Oliveira y ajoutant la prouesse technique, et voilà comment s'est joué le match hier soir à Splessin, 0-2. Et... C'est absolument l'euphorie, on boit le champagne, mais on reste quand même très prudent parce que le championnat est quand même encore 6 matchs. Et je me souviens parfois de surprises, mais je crois qu'on a fait un bon pas aujourd'hui vers le champion. Half uur heeft dan gelegd op de zaak. Rechter zet een vrije schop. Nilis Rutjes kan koppen. Kelderhuis. Koyman va éviter l'outonatio. C'est fait. Koyman continue. Il a donné à Kéchi qui tire sur le gardien. Pour cette faute de main de Koyman, le pénalty, attention, et c'est raté. Luc Nilis, Vera et Ben, Nilis kan trappen links, ja voor, ja binnen, Jolet, Anderlecht leidt. Coup franc pour les Anderlechtois, c'est Marc De Graeze, alors qu'il reste un quart d'heure. Vous lui donnez vers Nilis, vous allez récupérer par Koyman. Koyman, Crasson, un tir de Bertrand Crasson. Superbe envoi du temps. Van Tichelen qui est venu en zone offensive maintenant. Oliveira. Oliveira tente le grand piquet. Ils ont reçu le but. Verkotteren, Aïs. Autour de Kéchi. Vraiment, oui. Sous le piquet, oui, une deuxième fois. Un côté extraordinaire. Philippe de Wilde dégage et les supporters dans les toits, eux, essayent de porter leur équipe. Il manque en effet un douzième homme. Tire d'Oliveira vers les 10 supporters précisément. Dégagement de Wilde. Attention, le ballon aboutit à De Graeze. L'occasion du match, le but. Une erreur incroyable à laquelle plus personne ne voulait croire côté Anderlechtois. Le ballon est arrivé à De Graeze. Et contre toute attente, alors qu'au chrono, il reste une minute et demie. Leur seule erreur, un ballon perdu dévié vers Marc De Graeze. 1-0, le but providentiel, le but libérateur. Ad De Mos en perd le temps et la raison. Votre programme ce soir, qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Sortir et encore sortir et toujours sortir. Et dans la nuit, tous les avatars de la soirée et de la saison ont fait place à l'émotion. Cette fois, ils y sont, c'est du gâteau. Et c'est écrit, Anderlecht est bien champion. We zijn kampioen geworden met een ploeg die een hele goede organisatie vanuit mijn kant dan perfect hebben uitgevoerd. Ja, we hebben een hele moeilijke start gehad en ik denk dat we dus nog in de eerste ronde heel veel recht gezet hebben. In slechte wedstrijden toch de 2 punten hebben kunnen pakken. Heb jij er altijd in geloofd in die titel? Ja. Nou, eigenlijk pas op het moment van toen we 3 punten achterkwamen bij Germinal Ekeren. Ik wist zelfs niet dat ik hier in de basis zou staan. En nu kampioen nationale ploeg, dat is een schitterend seizoen. Maar ik moet gewoon met de voeten op de grond blijven. En nu iedereen is content. Je suis très content de ma saison. Parce que c'est la première fois que je commence le championnat et je termine. Je suis très heureux. Très heureux. I think with a good trainer, good manager, good president, you know. You can do it. And a good knee, Lemty. Yeah. Crasson tot bij Lemty. Knee, Lemty. Knee, Lemty. Nog! Voorlangs. Wat een actie van knee, Lemty.
Goeie bal voor Nilis. Mooi van Nilis en dan met de linker. Wat een doelpunt. Oh la la.